Nous sommes accueillis dans les locaux de la MJC pour réaliser le vernissage de livres d'artistes. 6 classes de maternelle et 5 classes élémentaires ont participé à ce projet, animé par Laura Nini, artiste plasticienne. Eux, ils savent déjà tout. Moi, ma mission, c'est justement de les aider à garder ce qu'ils ont déjà, qu'ils vont perdre en grandissant avec un certain esprit critique qui va leur être inculqué, alors qu'eux, ils sont déjà en quelque sorte des petits artistes. Regarde, là, il y a des petits points. Et qu'est-ce que ça représente, ça ? C'est la fourmi, oui. Je suis fière qu'il développe son sens artistique, c'est très bien. Parce que c'est vrai qu'à la maison, je le pousse pas trop à ce genre d'activité, donc je suis ravie qu'il puisse le faire à l'école. On essaiera de l'encourager dans cette voie, hein, s'il aime ça. On a utilisé en premier lieu comme support papier et la peinture de l'école, et au fur et à mesure, on a rajouté des matériaux naturels, des branchages, des feuilles. Et j'ai fait un arbre avec du vent. Ça, c'est les arbres. Et ça, c'est le vent. Tu peux m'expliquer ce que tu as fait? Laura les a vraiment emmenés dans son univers. Ils ont pu vivre aussi une vraie exposition, maintenant participer à la leur. Ils ont vraiment investi ce projet très différemment des activités artistiques qu'on fait habituellement à l'école.